La culture est fondamentale parce que la culture, de toute manière, c'est ça qui nous emmène plus loin. L'idée du cinéma est venue du fait que le groupe Onomo a été approché par un magazine, Off the Wall, qui se lançait à l'occasion de Paris Photo à Los Angeles. On a eu cette idée de recréer des scènes de grands films un peu iconiques du cinéma international dans le cadre des hôtels Onomo. Le cinéma, c'est peut-être la chose la plus universelle et la mieux partagée sur Terre. Et c'est un facteur d'unification des peuples et c'est un moyen d'inviter les gens au rêve. Ce soir, on a voulu encore une fois inviter tout le Dakar culturel, tout le Dakar qui aime le cinéma, tout le Dakar qui aime l'image. Could do that. Bond. James Bond. Poitiers. Philippe Poitiers. Bienvenue dans le cadre de l'opération Parcours à la mission Onomo Hollywood. Ceci n'est pas une histoire à dormir debout, mais à marcher couché. Je vous le prouve. Moteur demandé. Action. La partie est loin d'être terminée. Au contraire, elle vient tout juste de commencer. Au nom de toutes les équipes Onomo, je remercie d'être ici ce soir pour l'exposition de Omar Victor Diop et Antoine Tamté. Une soirée pleine de surprises, je déclare Onomo Hollywood ouvert.
c'est génial, c'est dynamique, c'est moderne. C'est les rêves de gosse et tout ce qu'on a aimé au niveau cinéma, qu'on revoit projeté sur les murs, c'était très très chouette. Recherché avec de très belles références cinématographiques. Les deux de Matrix avec la fille toute noire, le costume bien taillé. Bravo Victor. Je suis très content de cette soirée qui représente beaucoup de choses pour nous et pour moi personnellement, parce que d'avoir une série qui a été relatée dans la presse depuis plusieurs mois à l'échelle internationale et de choisir délibérément de la montrer d'abord là où elle a été créée, c'est-à-dire en Afrique, c'est un grand plaisir, c'est une grosse fierté. Les artistes précèdent obligatoirement ce qui va se passer demain. Quelque chose qui nous a plu tout de suite à tous les deux dans ce projet d'Onomo, c'est la vision d'Onomo qui est une vision très positive de l'Afrique, une vision moderne de l'Afrique. La marque de fabrique d'Onomo, c'est de montrer une Afrique qui bouge, une Afrique qui est créative, parce que ça y est, le continent aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le continent de demain, mais c'est le continent d'aujourd'hui, on en est persuadé. Les Africains ne doivent pas taper dans l'exotisme, mais essayer de viser la Lune. Et là, ça me parle. C'était très important de montrer qu'il y a une autre Afrique, et c'est ce que l'un comme l'autre, on essaye toujours de montrer dans notre travail, puisque c'est cette Afrique-là dans laquelle on vit, en fait. Si tout d'un coup, dans ces murs, on s'aperçoit qu'il y a culture dedans, créativité, ben c'est formidable.